Merci d'être là pour ce débat où nous accueillons Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Merci d'être là, Philippe. On est honoré de te compter parmi nous aujourd'hui. Et Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste. Alors, je vais vous expliquer, cet atelier est un peu particulier par sa forme. Nos deux intervenants vont prendre la parole pendant 10 minutes, un quart d'heure, sur la thématique « Quel mode de production au XXIe siècle ?» Et ensuite, je vous propose que nous ayons un échange avec la salle. Vous posez vos questions, il y a un camarade qui vous passera le micro, et Philippe et Fabien tâcheront d'y répondre. Si ça vous va, on fait comme ça. Et je laisse sans plus tarder la parole à Philippe, parce que nous sommes déjà suffisamment en retard. À toi, Philippe. Quel mode de production voulons-nous au XXIe siècle? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Et merci de m'avoir invité. Je ne viens que quand on m'invite. Alors, c'est un vaste sujet, mais qui est plus que jamais d'actualité, puisque la CGT en parle depuis des années et des années sur, sur quel mode de production, quelle industrie il y a besoin pour... Répondre aux besoins humains. Deuxièmement, répondre aux besoins environnementaux. On le voit encore dans l'actualité, puisque le gouvernement doit annoncer un plan de relance normalement la semaine prochaine. Il y a une logique qui ne cesse d'animer tous les dirigeants de ce pays depuis des décennies, c'est à la réponse aux besoins des financiers, aux actionnaires, au détriment de la planète et au détriment des citoyens. Donc nous militons pour un type de production qui ne fait pas table rase sur le passé, je pèse mes mots quand je dis ça ici, mais qui répond d'abord aux besoins. Et c'est pour ça que nous refusons, par exemple, l'idée qu'il y aurait une vieille industrie qui serait obsolète et qui devrait être rasé, parce que ça sert de prétexte à fermer toutes les usines, ou en tout cas beaucoup d'usines, au nom de l'environnement, et si le gouvernement actuel, mais d'autres, étaient attachés à l'environnement, ça se saurait. Nous voulons conjuguer et poursuite de l'activité dans un certain nombre de domaines, et évidemment réfléchir à des activités nouvelles, mais toujours pour répondre aux besoins. Donc, Nous proposons pas un plan de relance, mais un plan de rupture avec les logiques financières qui animent les dirigeants des entreprises et les dirigeants de ce pays. La deuxième chose, c'est un plan de rupture qui, je l'ai dit, qui parte d'abord des besoins. Nous, on ne parle pas de décroissance. Allez dire à des gens qui dorment dans la rue qu'ils doivent pratiquer la décroissance. Moi j'ai un souvenir, je le dis souvent, l'année dernière, à peu près à la même époque, j'étais au contre-sommet à Irun, vous savez, qui se tenait alors que le G7 se tenait à Biarritz. On faisait un débat avec des représentants d'associations, d'ONG, et un monsieur lève le doigt dans la salle et me dit « Monsieur Martinez, vous avez raison, moi je suis un écologiste involontaire ». Je me lave pas tous les jours, je me chauffe pas, je mange pas tous les jours à ma faim, je suis chômeur. Il dit, j'aimerais bien être un écologiste volontaire, mais il faut me donner du boulot et il faut que j'ai les moyens de travailler dans de bonnes conditions et de consommer dans de bonnes conditions. C'est ça qui, de notre point de vue, résume la philosophie de ce qu'on met en avant. Et je trouve que dans la période, et plus que jamais, parce qu'on a l'expérience du Covid, la période est de plus que jamais importante pour nous, pour ne pas être frileux, ne pas baisser la barre, pour être exigeant sur ces deux questions. Réponse aux besoins et réponse aux besoins sociaux et réponse aux besoins de la planète. Alors je vais m'appuyer sur quelques exemples, parce que moi je préfère quand on est concret. On en discutait avec Fabien tout à l'heure, mais j'en parle souvent. Moi j'ai l'exemple d'une entreprise qui s'appelle la Chapelle d'Arblège. D'ailleurs, j'ai un beau masque. C'est une très vieille usine. Ils ont fêté, il y a 2 ans, leurs 90 ans. Donc, vous voyez, c'est une vieille industrie. Ils font du recyclage de papier.
Qu'est-ce qu'il y a de plus moderne et de plus utile aujourd'hui que de recycler le papier, notamment le papier journal? Ils recyclent le papier et avec les déchets du papier, ils ont une centrale biomasse dans leur usine pour chauffer une partie de l'agglomération rouennaise. C'est une usine qui est coincée, si je puis dire, entre la Seine, transport fluvial, et un dépôt, un très gros dépôt SNCF, Sotteville-lès-Rouen, donc fret, etc. Qu'est-ce qu'il y a de plus, de mieux pour illustrer notre ambition industrielle que d'investir dans cette usine pour, évidemment, créer des emplois de qualité, avec un savoir-faire important, pour répondre aux besoins essentiels de ce recyclage de papier, et puis de préserver l'environnement. Cette usine, elle appartient à un groupe, une multinationale qui s'appelle UPM, un groupe finlandais, qui a une image dans son pays, la Finlande, où il y a beaucoup de forêts, de super entreprises écologiques, et qui veut fermer cette usine à Rouen, qui va en fermer une autre en Angleterre, et qui pendant ce temps-là contribue à la déforestation de l'Amazonie avec tous les problèmes que vous connaissez. Là, c'est un exemple qui montre des choix qu'on doit faire dans cette période pour dire les financiers, ça suffit. Il faut une industrie qui permette de répondre à ça. Et des exemples comme ça, tout le monde en a. Tout le monde en a. Et en même temps, il y a besoin de développer, et ça c'est, je pense là aussi, plus que jamais d'actualité, la nécessité de définir des secteurs d'activité essentiels pour le pays. Et de ce point de vue-là, il y a besoin qu'on reparle, pas obligé de les appeler comme ça, mais en tout cas d'entreprises de nationalisation et d'entreprises publiques dont l'État ne fait pas la place des salariés. Moi, je n'ai jamais vu un ministre sur une chaîne ou dans une usine, mais qui, un État stratège qui dit ces secteurs-là, ils ne peuvent pas être livrés aux financiers. Et dans ce domaine, par exemple, la crise du Covid a montré que c'est bien le virtuel, c'est bien les visioconférences, mais il y a toute une série de citoyens de ce pays, je pense aux jeunes aussi, qui ils auraient bien aimé pouvoir se servir, d'avoir des cours à distance, etc. Mais quand on est dans une zone blanche et que les investisseurs privés, parce que le secteur des communications a été livré aux privés, et dit ça, investir là, ça ne me rapportera rien, donc tant pis pour les populations, je ne n'engage pas d'argent, ben, on voit bien que l'État stratège dit quelle que soit la région de France ou le département ou l'agglomération, tout le monde doit avoir accès aux communications et donc il faut une entreprise publique de télécommunications. Ça veut dire que par exemple Orange doit redevenir une entreprise publique. Y compris, ça permet de faire pression à des groupes comme Nokia qui veut licencier à tour de bras là aussi, et vous le savez par exemple à Lannion, pour des intérêts de capitalistes. Eh bien, vous voulez pas sauver votre usine à Lannion, vous voulez pas que les chercheurs de Lannion y continuent à bosser, bah tant pis pour vous, on vous pique votre boîte. Et puis on la remet dans un cycle de boîtes qui va se dédier à la population. Je fais une petite aparté, tout le discours sur les jeunes décrocheurs, etc., que fait le gouvernement, vous savez, à Lannion, j'ai discuté avec des salariés, ils ont tous Bac plus 6, il y a eu 350 embauches il y a 3 ans, ils sont formés tous les ans, donc c'est des super tronches, et ils me disent, on a juste servi à Nokia pour aller chercher du crédit impôt recherche, parce que tous les mois, ils nous demandaient un rapport pour aller piquer de l'argent aux citoyens, 3 ans après, on est viré. Dernière chose, ça va, je suis bien là ? Merci. Non, parce que moi, je respecte les consignes. Sauf avec Fabien Roussel, mais sinon avec les autres. Sinon, je pense que donc j'ai dit des projets qui respectent l'environnement, c'est essentiel, mais aussi qui remettent le social au cœur de l'ensemble de notre démarche. On a beaucoup, on en parle moins d'ailleurs, on a beaucoup parlé des premiers de corvée. Première ligne, vous avez les résultats du Ségur de la santé, c'est loin de faire le compte, mais tous ceux qu'on a salués aussi, les salariés du commerce,
qui ont continué à bosser, les agents de sécurité qu'on voit toujours un peu partout, eux, aujourd'hui, ils sont payés comme au mois de février. C'est-à-dire que leur salaire, il n'a pas bougé. Et tous n'ont pas eu une prime, vous le savez très bien. Donc, la question du salaire, elle doit revenir. On file des milliards, et la semaine prochaine, il y en a encore 100 qui vont tomber. Aux entreprises, mais pas aux entreprises, pas aux salariés des entreprises, aux entreprises. Et donc, la question des salaires, elle doit être... Enfin, c'est pas le moment de jouer petit bras. Hein. C'est justement le moment d'être à l'offensive. Et puis, dernière chose, c'est la réduction du temps de travail. Moi, je me rappelle, il y a 5 ans, quand j'ai commencé à balancer les 32 heures, tout le monde se foutait pas de ma gueule. Mais enfin, il disait d'où il sort, celui-là, il a été congelé pendant 100 ans, et puis il sort de son iceberg. Aujourd'hui, c'est un débat qui refait l'actualité. D'ailleurs, le MEDEF commence à s'inquiéter. Ruth Bézieux, aux universités des MEDEF, où je n'étais pas, mais j'ai écouté ce qu'il a dit, a fait beaucoup sur l'idée de travailler plus, lui. Or, ce débat, il est installé. Il y a une boîte à Lyon, par exemple, qui vient de faire la semaine des 4 jours. Le syndicat IG Metall, qui est un des plus grands syndicats du monde, propose la semaine des 32 heures. Et nous, au nom de je ne sais quoi, d'une crise économique, d'entreprises en difficulté, on jouerait petit bras et on dirait c'est pas le moment de demander plus ou de revendiquer plus. Les 32 heures, c'est incontournable aujourd'hui. Moi, je suis content, par exemple, que à la Convention citoyenne, j'ai rencontré quelques citoyens qui étaient dans la Convention citoyenne, il y a eu un vrai débat. Et je leur disais, vous nous avez pris de gauche parce que vous demandiez les 28 heures. Et il y a eu 35% des 150 citoyens de la Convention citoyenne qui ont voté pour que les 28 heures soient dans les mesures proposées au gouvernement. 35%. Or, c'est un panel représentatif de la population. Donc, je pense que voilà, sur les questions sociales, j'ai parlé des salaires, j'ai parlé salaires, et notamment parce que j'ai évoqué le commerce et des métiers très féminisés, il est temps que cette question de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, on arrête d'en parler et on agisse, par exemple. Et donc la société, l'activité de demain, elle ne pourra se faire sans des mesures sociales importantes et des mesures qui conjugue social et environnement. Moi, il y a des débats, je le reconnais, dans la CGT sur ce qu'on fait avec des associations, des ONG. Mais c'est quand même un événement, en tout cas moi je le considère comme ça, que 19 ONG et associations se réunissent, discutent et proposent 34 mesures de rupture avec la logique capitaliste. Alors oui, ça fait débat que la CGT discute avec Greenpeace. Et je sais que je suis sur un territoire où, pas très loin, il y a une centrale nucléaire. On n'est pas d'accord avec Greenpeace là-dessus. On n'est pas d'accord et on l'assume. La CGT pense que, évidemment, il faut continuer à ce qu'il y ait des centrales nucléaires dans ce pays, mais des centrales nucléaires qui ne sont pas livrées au privé, parce que sinon, vous voyez la catastrophe que c'est, mais qu'à côté, il faut développer d'autres énergies et d'autres énergies qui restent sur le giron du public. Donc avec Greenpeace, on n'est pas d'accord. Et on le sait et on l'assume. Mais on s'est dit, soit on continue à s'engueuler sur le nucléaire, soit on travaille ensemble sur une société plus juste. Et je pense que c'est en se parlant qu'on peut avancer sur des choses comme ça. Oui, nous avons proposé 34 mesures de rupture avec la logique financière et avec la logique capitaliste. Et moi, je m'en félicite et je pense que là, je donne de leçons à personne, mais je pense que c'est justement en creusant et en avançant sur ce type de rassemblement que nous pourrons marquer des points d'un point de vue sociétal, enfin de ce qu'on appelle la société civile, association, syndicat, et créer des passerelles avec le monde politique pour qu'il y ait un relais politique à ces propositions. Je vous fais une petite confidence. Vous savez que d'autres ont essayé de... Enfin, on fait un truc qui s'appelle le pacte de pouvoir de vivre. Eh bien, petit à petit, des associations qui étaient adhérentes à ce pacte de pouvoir de vivre viennent vers nous en disant « Mais avec vous, c'est bien, il y a la liberté de parole, il n'y a pas d'hégémonie, c'est pas parce que la CGT pèse 650 000 adhérents qu'elle a 600 000
fois plus de temps de parole dans les réunions qu'une association qui a 10 000 adhérents, vous voyez. Moi, je pense que là aussi, dans la conception de comment on doit travailler, on marque des points. Et me semble-t-il, c'est aussi riche pour nous, les militants de la CGT, d'aller se discuter avec d'autres. Moi, j'ai appris plein de choses sur les questions environnementales. Et je suis sûr que mon camarade Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace, a appris plein de choses sur les questions sociales. Et d'ailleurs, par exemple, la bataille de la chapelle d'Arblay, dont je vous commentais tout à l'heure mon point de vue, eh bien, c'est une bataille que Greenpeace a décidé de prendre à bras-le-corps avec nous, parce qu'ils disent, oui, ça, c'est la symbolique de ce qu'on peut faire pour les années qui viennent, de conjuguer emploi industrie, social et environnement. Voilà un peu, moi, comment je vois les affaires. Je vous dis, il n'y a pas de sujet tabou. Je pense qu'il faut beaucoup discuter et faire confiance aux citoyens. Faire confiance aux citoyens. On n'a pas à décider, et là je parle pour la CGT évidemment, on n'a pas à décider de ce qui est bien ou pas bien pour les citoyens, que ce soit en matière de mobilité. Il y a un débat sur les bagnoles, et je travaille chez Renault, donc il ne s'agit pas de dire il faut fermer toutes les usines automobiles. Mais comment on fait confiance aux salariés de l'automobile qui sont soucieux évidemment de leur emploi, mais qui sont pas plus bêtes que les autres sur la situation environnementale dans le monde. Sauf que si le choix pour les salariés, pour les citoyens de ce pays, c'est soit bosser, soit sauver la planète, ben ça fait mal à la tête. Donc il faut s'appuyer sur les citoyens, sur les salariés, ils ont plein d'idées sur leur boulot, sur le sens de leur travail. Je finis là-dessus, j'ai eu l'occasion déjà de le dire à Fabien, pas qu'à lui. Je pense qu'il faut que le monde politique, le monde politique investisse plus ces questions du travail. Il y a trop de salariés. Alors il y a ceux qui n'en ont pas et qui aimeraient bien en avoir, mais il y a tous ceux qui sont au boulot. Pour les moins jeunes qui n'ont qu'une envie, c'est de se barrer de leur boulot, ça pose quand même question. Ça pose quand même question. Et pour d'autres, c'est à quoi je sers dans ma boîte. Mon boulot, à quoi il sert. Il faut que il y a un vrai débat sur ces questions-là. Je le dis souvent, avant, je ne vais pas jouer les anciens combattants, mais et vous avez tous, qu'on soit jeune ou moins jeune, le grand bonheur des parents, c'était que les enfants viennent bosser dans leur boîte. De plus en plus, les parents disent, il faut que tu trouves du boulot, mais surtout pas dans ma boîte. Ça doit nous interroger. Ça doit nous interroger sur le fait qu'on veuille plus transmettre son savoir-faire. Et pourquoi on ne veut plus le transmettre ? C'est parce que dans sa propre boîte, on se dit, mais moi, mon boulot, on me demande jamais mon avis. Et y compris, là je finis là-dessus vraiment, y compris sur des questions qui conjuguent sociales et environnementales. Moi j'ai des collègues chez Renault, donc je ne crée pas de plus-value pour les actionnaires de Renault depuis un petit moment. Mais mon lieu de travail, c'est le technocentre de Guyancourt. C'est là où mes collègues ils bossent sur les véhicules de demain. Moi j'ai des collègues. Ils ont bossé 2 ans sur une voiture propre. 2 ans. Un jour, il y a, vous savez, le monsieur qui est parti du Japon dans une malle et qui est au Liban aujourd'hui, celui qui disait tu en étais trop payé, il leur a dit, par intranet, votre projet, il ne m'intéresse pas. Sans aucune explication. Pourquoi ? Parce que la logique de ce monsieur, et beaucoup d'autres, c'est combien ça me rapporte, mais pas dans 10 ans. À la fin de l'année, pour que mes actionnaires soient contents. Et la logique de mes collègues, c'était de dire, on a fait un super boulot, ça va créer des emplois, et c'est bon pour la planète. La logique des salariés, c'est, est-ce que ça marche ? La logique de mon patron, mais de beaucoup de patrons, c'est combien ça rapporte ? Eh bien, c'est cette notion de combien ça rapporte qu'il faut casser, et de se dire, on travaille pour les besoins des citoyens. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Fabien, je te laisse la parole. Bon alors, pour pas répéter ce qu'a dit Philippe, non. Donc comme ça, on va pouvoir se compléter, et c'est mieux. D'abord, l'industrie dans notre pays, c'est une question qui est pour nous importante, je dirais même prioritaire dans les propositions qu'on doit mettre en avant.
parce que c'est la casse de l'industrie dans notre pays qui est en partie responsable de la situation sociale et le chômage de masse qui existe dans notre pays. L'industrie a perdu 1 million d'emplois en 20 ans en France. 1 million d'emplois en moins. Depuis, la balance commerciale de notre pays est déficitaire, forcément, puisqu'on importe plus que ce que l'on exporte. On produit de moins en moins. Je ne sais pas si vous avez déjà eu, comme moi, l'occasion de devoir changer votre frigo, votre télé, votre congélateur, votre micro-ondes. Tout ça, c'est plus fabriqué chez nous. Tout ça, ça vient de l'étranger. Avant, on fabriquait ça encore chez nous. C'est fini. Même si vous voulez être éco-responsable et chercher ces biens de consommation produits en France pour que ça favorise l'emploi en France et le climat, c'est impossible. Ça n'existe plus. Donc c'est très concret de pouvoir au moins reproduire ces produits-là chez nous. 1 million d'emplois en moins en 20 ans, une balance commerciale déficitaire parce qu'on importe plus qu'on exporte, et les capitalistes, les gouvernements de ces 20 dernières années qui ont théorisé l'idée d'un pays sans usine. C'est la logique, c'est ça. C'est le président d'AXA de l'époque qui avait dit nous devons bâtir un pays sans usine, avec une idée, c'est que pour eux, nos enfants, nos petits-enfants, nos chérubins, ce sont des cerveaux, on va les former à l'excellence, et ils vont travailler dans l'informatique, dans l'innovation, dans les nouvelles technologies. Et par contre, les bras, les travaux manuels, on va laisser ça aux Chinois, aux Polonais, aux pays du Maghreb, ailleurs. C'est pas pour nous. Et ils ont théorisé ça. Et c'est ce qui a contribué à délocaliser beaucoup de nos entreprises, à affaiblir notre pays. Résultat aujourd'hui, c'est que les Chinois, ils produisent les ordinateurs et les voitures. Ils ont tout pris, hein, quand même. Donc la théorie, elle n'a pas fonctionné. Et donc on est allé dans le mur. Donc face à ces logiques, alors ils ont théorisé ça, les financiers, parce qu'ils étaient dans une logique de court terme, et ce qu'ils voulaient, c'était produire à bas coût pour avoir une rentabilité à très court terme de leurs actions. Ça, c'est la situation aujourd'hui. Nous disons, nous, qu'un pays sans industrie est un pays sans avenir, et que nous avons besoin d'une industrie dans notre pays, pour plein de raisons. Pour répondre aux besoins humains, ça a été dit avant, il y a plein d'exemples pour ça, on a des besoins auxquels on doit répondre. On l'a vu avec la situation sanitaire, parce qu'on a découvert qu'on n'était plus en capacité de produire des masques et du matériel sanitaire dont on a besoin, alors qu'on les produisait avant. Je pense notamment aux masques, les outils industriels existaient, ils ont été délocalisés et on a été obligé de les importer de Chine et du Vietnam. Au passage, on importe de Chine des masques et on les traite de tous les noms parce qu'on considère que ce régime n'est pas respectable, ce qui n'est pas très sympathique, entre nous soit dit. Mais on a été obligé d'importer en grande quantité du matériel sanitaire que l'on produisait avant chez nous. Donc, pour une question, c'est pour ça que l'on parle de plus en plus de souveraineté économique, de relocalisation de l'activité, parce qu'on ne peut plus être dépendant à ce point de pays aussi lointains pour des matériels dont on a besoin, et parfois rapidement, quand il y a le cas d'une pandémie. Donc ça a complètement, cette crise sanitaire, elle a eu le mérite de réactualiser des idées, des propositions que nous défendons, et donc c'est sur cette base-là que nous devons dire, donc il y a urgence à réindustrialiser le pays. Mais effectivement, doit se poser la question de quelle industrie pour les années, le siècle qui vient. Et ça ne peut pas être l'industrie que nous avons eue jusqu'à maintenant. Donc nous sommes, nous, pour réindustrialiser le pays, relocaliser l'activité industrielle, mais pas telle que ça existe même encore aujourd'hui dans certaines filières industrielles. C'est-à-dire, pas pour exploiter les hommes et les femmes qui y travaillent, pas pour exploiter les ressources naturelles, pas pour mettre en péril le climat, la biodiversité, etc., etc. Donc on doit prendre en compte les exigences sociales et environnementales qui se posent avec encore plus de force aujourd'hui
qu'hier. Donc, une industrie nouvelle, une industrie du 21e siècle. Alors, on peut tout mettre dans une industrie du 21e siècle. Donc, nous, ça nous dit mettre le contenu que nous voulons dans cette industrie-là. Et c'est la raison pour laquelle je disais ce matin dans mon discours qu'il ne suffit pas de dire qu'il faut mieux répartir les richesses créées. Parce que nous, on dit qu'il faut rétablir l'ISF, faut taxer les dividendes, etc. Il faut le faire. Mais si on fait que ça, on remet pas en cause le capitalisme. Si on pense qu'en rétablissant l'ISF et une taxation sur les dividendes, on va continuer à avoir des actionnaires, des fonds de pension américains qui vont faire tourner des usines ici, mais pour faire encore plus de dividendes, parce que nous, derrière, on le taxe. Et ils vont exploiter encore plus les hommes, les femmes et la planète. Donc, oui, il faut mieux répartir les richesses, mais il faut poser la question de comment on les crée, ces richesses. Et c'est cette question de la création de richesses qui est importante, c'est-à-dire produire en respectant les hommes, en respectant l'environnement, et donc en mettant du contenu dans la production, l'industrie que nous voulons relancer, relocaliser, recréer dans notre pays. Alors pour ça, nous formulons plusieurs propositions qui rejoignent celles de formation syndicale, celles dont a parlé Philippe jusqu'à maintenant. Quand on propose de rétablir la retraite à 60 ans, dans l'industrie, ça veut dire quelque chose quand même, dans tous les métiers. Bon, c'est un progrès de civilisation de travailler moins et de permettre aux salariés du public comme du privé de partir dès 60 ans avec une bonne retraite. 37 années et demie de cotisation, c'est ce que nous proposons. Mais dans l'industrie, ça veut dire quelque chose quand même. Hein. Quand je rencontre les verriers de Verallia, outre les problèmes qu'ils ont posés, le métier de verrier est un des métiers les plus pénibles, si ce n'est le plus pénible. Avant, il y avait les mineurs, il n'y a plus de mineurs. Et après, c'était les verriers. Sur les critères de pénibilité qu'ils ont mis en place, les 10 critères de pénibilité, les verriers en touchent 9. 9 critères de pénibilité. Ils m'ont raconté leur boulot là, quand ils sont dans l'atelier et quand les bouteilles de verre passent et qu'ils sont dans leur cabine de protection. À cause de la chaleur, ils ont entre 8 à 10 minutes pour sortir, pour aller chercher un moule avec des pinces, parce qu'au-delà, ils mettent leur vie en danger. Au-delà de 10, à cause de la chaleur, ils ont des bouteilles à 520 degrés qui passent entre les jambes. Et à cause de la chaleur, les premiers signes, c'est les tympans qui bourdonnent, des pertes d'équilibre, et puis après ils tombent, ils sont grillés. Voilà. Ils font ça pendant 40 ans. L'espérance de vie d'un verrier est de 6 ans inférieure à celle d'un autre ouvrier, et elle est 12 ans inférieure à celle d'un cadre. Vous ne pensez pas que mettre la retraite à 60 ans pour cette profession, c'est une question d'actualité? Alors je cite celle-là, qui est une des pires, parce que je les ai rencontrées, mais on peut en citer un paquet d'autres. Et ceux qui travaillent à la chaîne, qui ont les maladies professionnelles des mains, des dos, des bras, etc. Enfin bon, enfin ça va quoi, au 21e siècle. Donc quand on parle d'une industrie du 21e siècle, c'est une industrie qui respecte les hommes, les femmes, et donc les respectent au moins dans leur corps, et qu'on ne sorte pas d'une vie de travail cassée, parce que c'est ça aujourd'hui. Avant, bon, quand il n'y avait pas les moyens technologiques, et même, il n'y avait aucune raison d'exploiter les hommes, enfin aujourd'hui, et justement aujourd'hui en pleine pandémie, de crise, mais c'est l'occasion de pouvoir proposer à ceux qui ont passé une vie au travail de partir à 60 ans avec une bonne retraite, pour permettre à des plus jeunes de rentrer au boulot, de les former, sans perte de compétences, ça fait partie des propositions que nous faisons et qui va avec l'idée de créer des richesses autrement, en respectant les hommes. C'est réduire le temps de travail. Philippe vient d'en parler, nous portons la même proposition d'aller vers la semaine de 32 heures. Oui, c'est encore plus d'actualité aujourd'hui qu'avant. Et aujourd'hui, quand on en parle, ça a un peu plus de résonance aussi. Si on se dit qu'aujourd'hui, il y a des filières et des professions où il y a une baisse d'activité liée à la pandémie, personne ne le nie, ça. Personne ne le nie. Sur les lignes d'assemblage des Airbus à Toulouse. Avant la pandémie, ils sortaient 60 à 320 par mois, deux par jour. Il faut les voir, les chaînes hein, d'ateliers, des A320, ils en sortent deux par jour. À la chaîne, ils les font, les avions. Aujourd'hui, ils en sortent entre 38 et 40. Donc, c'est pas vrai qu'ils en sortent plus du tout. Ils en sortent 38 à 40 au lieu de 60. Bon, ben, on peut réduire un peu le temps de travail. Et on peut proposer aux salariés donc de travailler moins, mais qu'il y ait plus de monde
au travail et de former des chaînes et de conserver les compétences et de conserver un maximum de salariés, vu le temps qu'il faut pour former un mécanicien d'aviation ou un électricien dans l'aviation. Et c'est ce que nous proposons. Bien sûr, il y a l'égalité salariale professionnelle pour les femmes. Il l'a dit, je l'ai redit ce matin, et c'est là aussi encore un anachronisme qu'à notre époque, il faille encore se battre pour que les femmes gagnent autant que les hommes dans une entreprise. C'est même impensable. Après 14 lois sur le sujet, 14 lois depuis Yvette Roudy pour mettre en place l'égalité salariale femmes-hommes, et c'est toujours pas appliqué. Et je pourrais vous raconter les chartes et ce qu'a mis en place ce gouvernement avec des points pour les entreprises et avec forcément des entreprises comme le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole qui ont 100% tout bon, hein, mais qui en fait qui ont encore tout faux. Et donc avec des campagnes qui se mettent et il y a des avocates très très bien là-dessus qui font la démonstration que cette loi comme les autres ne servira à rien. Et donc il y a un vrai combat à mener sur ce sujet. Il y a le pouvoir de décision qu'il faut donner aux salariés. L'industrie du 21e siècle, le travail du 21e siècle, c'est celui-là, c'est celui où les salariés retrouvent du sens dans ce qu'ils font, dans les métiers qu'ils exercent et ce pourquoi ils l'exercent. Le nombre de salariés qu'on rencontre, Philippe, ça doit être les mêmes, qui ne savent plus pourquoi ils vont au boulot. Normalement, souvent, c'est les mêmes, mais ils nous racontent les mêmes histoires. Ils viennent au travail avec le lean management, le lean manufacturing. Ils ne savent plus ce qu'ils produisent. Ils arrivent dans l'usine, on les déplace d'une chaîne, ils font pendant 6 mois sur une chaîne, avec des gestes répétés, et au bout de 6 mois, sans qu'on les prévienne le matin pour l'après-midi, ils sont déplacés sur une autre chaîne, et ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent plus ce qu'ils produisent. Avant, ils étaient fiers de produire une voiture. Mais aujourd'hui, ils ne savent même plus qu'ils sont dans une industrie automobile, presque. Enfin, j'exagère, ils le savent, mais ils ne sont plus associés à la production de leur travail. Et ils savent encore moins, les syndicats, la stratégie de leur entreprise. Et quand nous disons, nous, donner plus de pouvoir aux salariés, c'est ça. C'est de faire en sorte que les salariés puissent dire non à une décision d'un conseil d'administration qui va les envoyer dans le mur ou qui dépense frauduleusement l'argent public, qui planque les bénéfices dans les paradis fiscaux. Il y a quand même des sujets énormes. Veralia, encore une fois, c'est un vrai sujet, Veralia. On pourrait écrire un livre. Vous avez entendu ce matin ce que j'ai dit, vous étiez là. Hein, 10 juin, il distribue 100 millions d'euros. 12 juin, il supprime 200 emplois et ferme un four de production de bouteilles. Je demande au syndicat, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller là-bas, parce qu'au téléphone, on n'a pas tout. Donc, ils me sortent le livre, leurs propositions, là où ils en sont. Je regarde qui sont les actionnaires. Fonds de pension Apollo. Et comment le fonds de pension Apollo est actionnaire de Veralia? Mais entre le fonds de pension Apollo aux États-Unis et Veralia France, il y a 5 holdings financières. Et la première a son siège au Luxembourg. J'ai pas besoin d'interpeller Eric Bocquet qui est là dans la salle pour que lui et moi, on sache ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est le principe des filiales mère-fille et de la remontée des bénéfices au Luxembourg pour qu'ils échappent à l'impôt en France et que les salariés n'aient pas le retour sur le fruit de leur travail. Hein ? Et ça, les salariés ne peuvent pas dire leur mot là-dessus. Ils ne peuvent pas dire leur mot là-dessus. Ils ne peuvent pas dire leur mot sur un plan social qui leur annonce la fermeture d'un four quand on a distribué 100 millions d'euros de dividendes. Ils ne peuvent pas dire un mot. Parce que loi El Khomri, loi Macron, parce que il n'y a plus de pouvoir, il y a de moins en moins de pouvoir pour les salariés. Il y en avait un peu plus avant. Là, il n'y a plus rien. On leur demande leur avis quand on leur demande. Et quand on leur demande, c'est un avis. Quoi qu'ils disent, ça compte pas. Enfin, c'est terrible quand même. Et les gars, ils sont en colère. Mais ils me le disent tous, que ce soit Veralia, que ce soit Airbus, que ce soit Renault, que Cargill, tous ceux que je rencontre. Ils disent, monsieur Roussel, c'est avec l'argent public qu'on nous licencie, c'est pas normal. Ils ont même pas le droit de regard sur l'argent public, qui est leur argent, qui est notre argent, l'argent de nos impôts, l'argent de l'État qui part dans les plans sociaux, c'est notre argent quand même. C'est le minimum d'avoir un droit de regard dessus. Donc, quand on parle de donner plus de pouvoir aux salariés dans les entreprises, c'est pas un slogan. C'est pas une idée en l'air. C'est concret. Il faut véritablement se battre pour ça. Et pas que les salariés, les élus locaux, les habitants. Enfin, on doit avoir un droit de regard. Enfin, c'est incroyable. Quand ils suppriment l'impôt de production, là, comme ils veulent le faire, l'impôt de production, c'était un impôt qui pèse sur les entreprises et qui donne 10 milliards d'euros au budget, aux régions.
Mais ça crée un lien entre les régions et les entreprises. Et les régions sont soucieuses qu'une entreprise s'installe chez elle et qu'elle crée de la richesse. Et elle, elle va percevoir une taxe. Et donc c'est bien. Mais aujourd'hui, ils suppriment cet impôt. C'est tout bénef pour le capital et c'est un lien en moins pour les régions qui, elles, bah, seront plus intéressées à l'installation d'usines chez elles. Ils s'en foutent. Ça rapportera plus rien. Enfin, ils sont véritablement en train de casser les liens qui existent avec notre industrie, les pouvoirs d'intervention que nous pouvons avoir dans l'industrie et de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Donc, quand on parle d'industrie du 21e siècle, c'est tout ça que nous voulons mettre. Et je dirais un dernier mot, c'est que si on a besoin dans notre pays de richesse pour répondre aux besoins, la richesse, c'est les produits et c'est la valeur que ça rapporte en transformant les matières premières. Donc il y a effectivement de la richesse monétaire que l'on crée avec l'industrie. Mais nous disons, nous, que nous avons besoin d'une industrie forte dans ce pays pour ça aussi, pour avoir les moyens, pour avoir de l'argent pour notre pays, parce que ça crée de la richesse dont nous allons, que nous allons utiliser pour les services publics, pour la transition écologique, pour répondre aux besoins humains. Enfin, la création de richesses issues de l'industrie, c'est des impôts qui rentrent dans les caisses de l'État. C'est du salaire. C'est des cotisations pour la sécurité sociale. C'est ça la richesse que ça crée une industrie. Donc quand on tue l'industrie, on affaiblit tout ça. On affaiblit les comptes de l'État, on affaiblit la sécurité sociale, on affaiblit notre système de retraite. Donc avoir une industrie forte dans notre pays, qui respecte les hommes, les femmes, l'environnement, une industrie qui partage le travail, une industrie qui permette aux anciens de partir plus tôt, une industrie qui respecte l'environnement et une industrie qui crée de l'argent, qui crée de la richesse, qui retourne au pays, qui reste ici au pays et qui nous permette d'alimenter notre modèle social. C'est ça l'industrie du 21e siècle pour laquelle nous devons nous battre tous ensemble. Merci, merci Fabien. Oui, bien sûr, vas-y Philippe. Je veux juste rajouter quelque chose, parce que Fabien est devenu le spécialiste de Verallia, mais je veux juste rajouter quelque chose, parce que c'est un vrai, Verallia c'est la symbolique des méfaits du capitalisme. Verallia en 2015 c'était une entreprise du groupe Saint-Gobain, et sous la pression des actionnaires qui avaient besoin de cash pour toucher des dividendes à la fin de l'année, les actionnaires ont forcé, je ne sais pas s'ils l'ont forcé beaucoup, mais en tout cas, ont obligé le PDG de Saint-Gobain à vendre Verallia, en disant « l'avenir, c'est le plastique, pas le verre ». Vous voyez, je trouve que ça symbolise bien que tout ce qu'il faut changer, et c'est pour ça qu'on demande un plan de rupture, parce que c'est ça la vie de Verallia. Ils l'ont vendu, comme tu l'as dit, à un fonds de pension américain, Apollo, qui a déjà sévi en France, Ascométal, par exemple, on voit la situation aussi. Donc, c'est bien. Enfin, ton exposé était complet sur Verallia. C'est bien. T'es un spécialiste. Mais je voulais juste rajouter ça parce que ça, c'est vraiment l'image même des méfaits du capitalisme. Les êtres humains, la planète, tout ça, ils s'en foutent. C'est à la fin de l'année combien je vais toucher en dividendes. Excuse-moi. Non, mais merci, Philippe. Alors, on va commencer avec les questions dans la salle. On va prendre une série de questions, peut-être deux, trois questions. Il y avait le monsieur avec le pull orange. Si vous pouvez, tu leur prends un micro. L'avantage, c'est que Fabien, l'un comme l'autre, vous me connaissez. L'un me connaît comme un des animateurs de la coordination générale électrique de la CGT, et l'autre, on s'est rencontrés sur le devenir de Général Électrique, place du colonel Fabien. Et finalement, vous êtes très complémentaires, et aujourd'hui, je suis content de vous avoir tous les deux ensemble, parce que quand on réfléchit du devenir de la filière énergétique en France, tu expliquais comment un actionnaire se débarrasse d'un fleuron, mais comment Alstom, sous des prétextes de trésorerie, brade sa branche énergétique à Général Électrique, en disant « ça va assurer l'investissement et la pérennité ». Nous sommes aujourd'hui en plein cœur d'une bataille qui n'est toujours pas terminée sur la turbine à gaz à Belfort. Au passage, comité de défense, dont tu parlais ce matin, 2000 signataires pour un comité de défense de la turbine à gaz. C'est pas un fief du Parti communiste, Belfort, chacun le sait, même si les camarades du parti sont à l'initiative de ce comité de défense et ont réussi un très très joli coup.
un travail collectif entre l'organisation syndicale, hein, de JPF, le parti, et une réflexion sur la filière. Et cette réflexion sur la filière, elle pose la question que tu as posée, la finalité des métiers. C'est-à-dire que nous les communistes, nous les cégétistes, on permet aux salariés de se réapproprier la fierté de leur métier par les travaux de lutte qu'on est en train de mener. Et on a absolument besoin de faire marcher nos deux jambes ensemble. Je le dis, il y a une période qui n'est pas complètement anecdotique. On sort de la crise Covid, on rentre dans une période où le jour d'après, c'est le jour des luttes. Moi, j'ai écrit quelque part, dans la guerre de classe, il n'y a pas de jour d'après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le capital essaie d'avancer ses billes et nous, on doit avancer les nôtres. Et pour ça, il faut que nos deux jambes, elles fonctionnent ensemble. Le combat syndical seulement au sein de l'entreprise, ça peut pas marcher. On va se retrouver avec les camarades de Bastille à distribuer le tract du parti sur le devenir de General Electric. Il y a besoin de ces comités de défense qui réunissent les usagers, qui réunissent les acteurs à l'entreprise et qui permettent une prise de conscience globale. Un mot sur cette filière énergétique quand même globalement. Tu parlais du nucléaire et c'est vraiment un sujet sensible qu'il faut qu'on aille au bout. Le rapport du GIEC qui parle évidemment de la transition énergétique et des questions du climat, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il n'y a pas de transition énergétique possible sans le nucléaire et sans même un développement du nucléaire. Donc on a besoin d'aller jusqu'au bout de ces questionnements. Quand on regarde General Electric, ils vont virer dans quelques jours, vous allez avoir tous les deux à gérer un plan de licenciement à Hydro-Grenoble, le deuxième de la série, vous allez avoir un plan de licenciement à Grid qui va sortir très rapidement. Donc on voit que ces dossiers-là, si on ne les traite pas globalement, on tape le nucléaire d'un côté, hein, la turbine Arabelle à Belfort qui est en vente avec la partie Steam. On tape les vieilles usines, les vieilles entreprises, hein, ce qu'on appelle l'industrie noire un peu quelque part contre l'industrie verte. Mais on tape aussi l'industrie verte parce que hydro, c'est le turbine pompage, c'est les barrages, c'est tout ce qui permet de faire de l'énergie décarbonée. Donc on a besoin de travailler sur nos deux jambes. On a besoin que le parti, et tu as raison, se réinvestisse beaucoup plus à l'entreprise. Il y a une commission entreprise qui produit, il y a des tracts qui sortent. On a besoin que notre parti, c'est un peu global d'ailleurs, peut-être un petit peu un raccourci sur le Congrès. On a beaucoup progressé depuis 2 ans sur la réapprobation. Moi, je pense au réseau école qui produit aussi beaucoup. Mais on a du mal à traduire ça sur le terrain. Il faut qu'on arrive à se déployer sur le terrain, qu'on mette en place ces comités de défense. Il faut qu'on ait ces logiques de filière. Et il faut que la jambe politique et la jambe syndicale fonctionnent ensemble. C'est pas par un cartel pour une élection présidentielle qu'on sortira des problèmes. Je vais le dire comme je le pense moi, c'est pas par un énième appel des 150 personnalités. C'est parce que les organisations qui sont sur le terrain travaillent ensemble dans le cadre des mêmes luttes. Merci. Merci. On va prendre une autre. Oui. Le mieux, c'est que vous veniez quand, parce que les micros, si on les met trop vers le fond, ils coupent. Donc il y a la demoiselle avec le pull noir. Du coup, les gens y viennent. Oui, mais, oui. Et je vous demande d'être assez le plus bref possible dans vos... Je vais essayer. Non, mais tu peux développer, mais pour que tout le monde puisse poser ses questions. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc moi, c'est Thierry, je suis salariée du syndicat de l'hôtellerie, CGT des hôtels de prestige et économie. D'abord, je souhaite effectivement vous remercier de ces topos assez complémentaires et assez intéressant. Moi, j'aurais voulu juste rajouter 2 petits points qui me semblent assez importants. D'abord, un petit rappel historique sur le fait qu'effectivement, l'économie en France a été, l'industrie en France a été quand même pas mal liquidée, en fait, notamment ces 20 dernières années, en fait, par des politiques de délocalisation successives qui ont été décidées par les financiers, mais pas que. Enfin, je pense qu'il y a quand même un lien objectif entre, d'une part, les financiers, mais aussi, en fait, les industriels, les capitalistes industriels qui ont un intérêt concret à délocaliser, notamment dans la logique de recherche continue d'une main-d'œuvre toujours moins chère. Donc il y a effectivement une liquidation de l'économie en France, mais pour aussi un appauvrissement des populations en Asie, en Europe de l'Est, mais aussi en Afrique, via justement ces politiques de délocalisation, de Renault, de Continental, etc. Donc il y a aussi, là pour le coup, on voit clairement une démarche impérialiste en fait visant à tirer vers le haut entre guillemets les coûts de profit, mais aussi les salaires des populations ailleurs, vers le bas. Ton topo Philippe était quand même très intéressant aussi en fait sur la question. J'ai trouvé ce point particulièrement assez intéressant de comment penser l'industrie, notamment en termes d'économie essentielle. Je pense que notamment pendant la période du Covid,
à la CGT, on a vachement insisté dessus, et on a vachement insisté aussi sur la question de la santé des salariés. Je pense que c'était effectivement un trait assez important pour démontrer l'anarchie et l'absurdité du système capitaliste qui cherche simplement les profits et il se soucie pas du tout de la question de la santé des salariés. Donc je pense que c'est effectivement un point assez important sur lequel on insiste beaucoup à la CGT. Je pense notamment à toute la période du confinement, on a beaucoup appelé, y compris à l'exercice du droit de retrait, pour remettre au centre de la réflexion la question de la santé des salariés, effectivement des secteurs essentiels. Je voudrais conclure par contre sur un point qui me semble assez important aussi, qui malheureusement pas été évoqué, et je pense que c'est dû au fait que aujourd'hui, on est là pour parler simplement de l'industrie comme telle, mais je pense qu'il y a quand même un point assez important qui est la question de la tertiarisation de l'économie en France, qui est quand même aussi un phénomène assez important. Je pense qu'il y a clairement une expansion des secteurs du tertiaire, qui sont par ailleurs les secteurs où il y a une main d'œuvre particulièrement féminine et particulièrement étrangères aussi, issues de l'immigration et immigrées elles-mêmes. Et là-dessus, je voudrais dire deux mots. Donc, moi, j'ai dit dès le début en fait que je suis salariée du syndicat de l'hôtellerie. Et ces dernières années, enfin notamment ces 10 dernières années, on a pu mobiliser pas mal notamment de femmes de chambre dans les hôtels, et on a obtenu des victoires assez importantes et assez inédites dans l'histoire du militantisme en France, qui est de remettre en cause la sous-traitance dans l'hôtellerie et obtenir y compris des internalisations de femmes de chambre. On a obtenu quand même pas moins de 13 dans des hôtels français, et j'exprime ici un regret assez énorme pour le coup de l'absence pour le coup de notre centrale syndicale dans nos mobilisations. Enfin, je hoche la tête, Philippe, mais je pense que c'est vraiment avec beaucoup de y compris d'amertume que je dis ça, mais il est quand même pour moi, ça reste aujourd'hui inexplicable cette absence pour le coup des membres de la direction de la CGT à aucun de nos piquets de grève, sachant qu'on a mené quand même des combats qui ont duré plusieurs mois. Je termine par ça. Aujourd'hui, on est quand même à 14 mois à l'Ibis des Batignolles, et je regrette qu'on ait aucun membre de la direction de la CGT à ces mobilisations. Et est-ce du mépris, est-ce de désintérêt, j'en sais rien, mais je tiens quand même à le dire. Merci. Alors on va prendre d'autres questions. Il y avait un camarade là. Hop. Allez-y. On fera une autre série de questions. Vraiment, je vous demande, les camarades, essayez d'être très rapide, c'est ça. Hein. Et non, pas très rapide, non, mais en tout cas de synthétiser ce que vous avez à dire, parce que il y a beaucoup de personnes qui veulent poser. Alors, je vais être très très rapide. Voilà. Deux choses. Une première réflexion. J'entends parler depuis ce matin et encore à la table de plan social. Pour moi, les mots ont une grande importance. C'est pas des plans sociaux, c'est des plans de licenciement, et ça m'énerve particulièrement quand j'entends parler de plans sociaux. C'est pas des plans sociaux, on vire les gens, et c'est attention aux mots qu'on utilise. Et voilà, ça c'est une parenthèse. Deuxième parenthèse. La CGT disait réduction du temps de travail, 32 heures. On s'est fait même dépasser pour 28 heures. Très bien, très bien. Il y a un certain nombre d'élus dans la salle qui vont avoir une responsabilité, puisqu'à partir du moment où ils ont été élus, des élus territoriaux, ils ont une année, c'est la loi du 6 août, pour négocier le temps de travail et pour revenir aux 1607 heures dans la fonction publique, et entre autres dans la territoriale. Ça veut dire que la loi du 6 août oblige tous les exécutifs à renégocier, et ça veut dire que là où on faisait un peu moins 607 heures, ça donne pratiquement l'obligation, parce que la Cour des comptes est derrière, l'obligation de retravailler plus dans la fonction publique. Ça veut dire qu'aussi, quand il y a un changement de municipalité, quand vous aviez, au lieu de 28, vous aviez 29 jours, parce qu'il y avait la journée du maire, parce que ceci, cela, on va supprimer cela sous la forme très légale qu'est la loi du 6 août. C'est-à-dire que, ça y est, Macron a mis l'engrenage en route pour revoir le temps de travail dans sa globalité. Ils ont supprimé il y a quelques mois
la journée de la femme qui était attribuée dans la fonction publique, on l'a supprimée. Alors, quelques municipalités ont réagi parce qu'en disant, sous le terme d'égalité homme-femme, c'est pas juste d'avoir une journée de la femme, donc on supprime. Certaines municipalités ont décidé de mettre une journée de l'homme pour pas supprimer la journée. Mais voilà, on attaque partout la journée de le temps de travail, et dans la fonction publique, on a les élus, vous aurez un an pour négocier et pour augmenter éventuellement le temps de travail. Merci. Je voulais Philippe. Il n'y a pas eu beaucoup de questions, donc je vais être peinard. Non, mais on en prend 3-4 chaque fois. Mais j'ai des choses à dire. Premièrement, dire à la camarade qui m'interpelle chaque fois que je la croise, donc pourquoi pas ici, que je n'ai pas été à l'Ibis Batignolles, parce qu'il faut que les langages codés, personne ne comprend, donc je le dis à la salle, c'est vrai, je n'ai pas été à l'Ibis Batignolles, il faut corriger ça. Mais certains me reprochent à la CGT de ne pas être assez à Montreuil et d'être trop sur le terrain. Et puis je le dis, mais ça doit être valable pour toi, quand on est sur une lutte, on se fait engueuler par 10 camarades d'autres boîtes qui disent « Pourquoi tu n'es pas venu chez nous ?» Je ferme cette parenthèse juste pour dire que, évidemment, le secteur tertiaire est important. Mais attention, là aussi, on le dit, pas d'industrie sans service public, pas de service public sans industrie, et pas de tertiaire sans industrie. Beaucoup de phénomènes, entre guillemets, de mode, parce que quand on veut supprimer une usine ou fermer une usine, on dit, mais vous inquiétez pas, on va créer des boulots ailleurs. Ça marche pas, ça. À un moment, on disait le tourisme, etc., etc. Ça ne marche pas. Il faut une nation cohérente, c'est une nation qui a de l'industrie, des services publics, et plus qu'il n'y en a, pardon, comme dans notre pays, c'est des atouts. Et donc, je pense que il y a besoin de développer, par exemple, tout ce qui est aide à la personne. Et je salue d'ailleurs toutes les femmes, parce que c'est beaucoup de femmes qui travaillent dans ce domaine-là, qui sont souvent mal payées, c'est les deuxièmes lignes, mal payées, mal protégées pendant la période du Covid, qui ont des horaires de dingue, puisqu'on travaille beaucoup le matin et beaucoup. Veillons à être cohérents. Moi, je voulais juste revenir sur deux choses par rapport à ce qui a été dit, puis y compris ce qu'a dit Fabien. Je pense qu'il n'y a pas. Je disais, il faut rester bien ancré sur les préoccupations des citoyens en matière de besoins, etc. Et je pense qu'à tous les niveaux, on peut le faire. Au niveau des localités, au niveau des départements, au niveau des régions, on peut le faire aussi. Nous, on milite pour que, par exemple, dans les appels d'offres des marchés publics, c'est 40% des investissements en France, les appels d'offres de marchés publics. 40%. C'est beaucoup d'argent. Et c'est nos impôts. Eh bien, il y ait conditionnalité pour l'entreprise qui dépose son offre, conditionnalité sociale, conditionnalité environnementale. C'est pas du protectionnisme ou du nationalisme. Mais une entreprise qui ne respecterait pas des critères sociaux et des critères environnementaux ne pourrait pas déposer d'offres sur un marché public. Et j'ai rien contre les Chinois. Mais si on prend les règles de l'OIT, l'OIT qui est directement une organisation internationale liée à l'ONU, il y a peu de contraintes hein, dans l'OIT, on se bat. Mais par exemple, il y a respect du droit de grève. Imaginez le nombre d'entreprises qui ne pourraient pas déposer d'appel d'offres sur un marché public parce que dans ce pays, et donc à travers cette entreprise, le droit de grève n'est pas respecté. Ou le droit de se syndiquer. Les Chinois, par exemple. Quand on a eu le débat, si on ne fait pas un géant européen des transports, le TGV, machin, Alstom, eh ben, les Chinois vont prendre le marché. Que je sache, encore aujourd'hui, les trains... Donc les TGV, c'est des marchés publics. Vous voyez, et on a des échanges avec des camarades d'autres pays hein, qui nous disent très simplement, hein, plus les droits sociaux baissent en France, moins on aura de chance d'en avoir, nous. Donc c'est pas
dire on veut bosser en France et les autres débrouillez-vous. C'est une lutte internationaliste aussi. Et beaucoup de camarades nous le disent. Oui, parce que les entreprises raisonnent aussi comme ça. Et je pense que c'est valable pour des tas de domaines. Alors si on prend le dossier General Electric, oui, c'est encore des questions sociales. On délocalise pas parce que c'est mieux d'aller le faire ailleurs ou je ne sais pas quoi. Moi, je me rappelle un PDG de Renault qui s'appelle Louis Schweitzer, il s'appelle toujours, d'ailleurs, il est toujours en vie, m'avait dit au comité central d'entreprise quand Renault a racheté Dacia qui comptait à l'époque 45 000 salariés et qui en a 12 000 aujourd'hui, jamais une Dacia ne sera vendue en France. Non, je rigole pas, hein. Il y a des minutes dans le CCE, Louis Schweitzer, jamais une Dacia sera vendue en France parce qu'on fait une voiture populaire pour les Roumains et les pays d'Europe centrale et orientale. Bon. Dacia, c'est la marque la plus forte du groupe Renault aujourd'hui. Et en France, je peux vous dire que... Enfin, pas besoin de vous le dire, d'ailleurs. Et qu'est-ce que ça a donné? C'est 45 000 quand Renault est arrivé, 12 000 aujourd'hui. Mon expérience dans ma boîte, mais tout le monde a la même, et c'est valable pour General Electric et d'autres, c'est le pseudo coût du travail qui fait la loi. Moi, quand on a implanté des usines en Espagne chez Renault, il y a très très longtemps, fallait pas en demander trop en France parce que les Espagnols étaient moins chers. Et puis après, il y a eu la Slovénie, puis après, il y a eu la Roumanie, puis après, il y a eu le Brésil. Et puis maintenant, il y a le Maroc, 250 euros par mois, et c'est les mieux payés du Maroc. 250 euros par mois, mais avec 250 euros, même une Dacia, ils ne peuvent pas se la payer. Et donc, là aussi, je pense qu'il faut revenir sur ces logiques qui consistent à dire le problème de l'industrie et le problème dans le monde, c'est les salariés, parce qu'ils sont trop payés. Moi, j'ai eu l'occasion de dire à Raoult Bézieux, vous, votre rêve, c'est de revenir à l'esclavage. Là, on n'est pas emmerdé. Il coûte... Mais il faut le dire sérieusement. Ça coûte rien, là. Donc, faut revenir à l'esclavage. Dernière chose, c'est aussi qu'on soit plus fort sur la réalité de cette crise économique. Je vais prendre un... Tu évoquais Airbus. Très beau sujet, Airbus. Airbus, chiffre direction de l'entreprise. Airbus, en juin 2019, 7276 avions en carnet de commandes. 7276, c'est globalement 8 à 10 ans de travail. Aucune industrie dans le monde n'a 8 à 10 ans de carnet de commandes. Donc 7276 en 2019. En juin 2020, carnet de commandes d'Airbus, 7584. Il y a 300 avions de plus dans le carnet de commandes d'Airbus. Et pourtant, on leur a filé du fric, on va licencier, comme tu dis, et on va faire pression sur les filiales, il y en a une à Méholt, pour dire il faut externaliser, il faut aller construire des usines ailleurs, etc. Donc là aussi, ne soyons pas timides, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Pourquoi? Quel est le problème? Oui, il n'y a plus d'avions qui volent, donc les compagnies disent on va retarder notre commande. Mais la commande, elle existe toujours. Parce que les compagnies, quand elles commandent des avions, déjà, quand on achète une voiture, nous, c'est dur. Mais une compagnie, il faut mettre une caution sur la table. Parce que c'est plusieurs millions d'euros. Et donc, c'est les États qui donnent des garanties pour pouvoir s'acheter des avions. Air France, comme les autres. Enfin, dans certains pays, c'est carrément des entreprises d'État, Qatar, etc. Donc, il faut des solutions... Le carnet de commandes, il a augmenté chez Airbus. Mais il faut des solutions, en attendant que ça reparte, pour que les salariés soient formés. Ils soient formés, mieux formés, parce que de plus en plus, ils ne sont pas formés. Il faut trouver des solutions pour les payer intégralement. C'est pour ça que nous, on demande que le chômage partiel soit à se payer à 100% et non pas à 80%. Parce qu'il y a des salariés, ça fait 6 mois qu'ils sont payés à 84%. Alors sur... 200, parce qu'ils remboursent 100% pour le SMIC, mais quand on est payé 50 euros de plus que le SMIC, bah 84% du salaire, c'est déjà dur de finir le mois avec ces tarifs-là, donc vous voyez. Et donc, il faut trouver des solutions sociales. Et c'est ça, là, le rôle de l'État
le rôle d'un État qui exerce la solidarité, c'est de dire, bah, vous ne verserez pas de dividendes à vos actionnaires à la fin de l'année, aide ou pas aide, et puis vous payez, par exemple, vos salariés et leurs sous-traitants 100%. Je vous donne un dernier chiffre. Renault vient de toucher 5 milliards d'aides. L'année dernière, ils ont filé 1 milliard à leurs actionnaires. Celui-là, ce milliard-là, on ne le reverra plus jamais. Fabien, si ça ne te dérange pas, on reprend une série de questions. Tiens, ah ben parfait, parfait. Puisqu'il nous reste un gros quart d'heure de discussion, donc il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas où est le micro, ben c'est Solène. Comme à l'Assemblée, 2 minutes par question. Voilà, si on peut... Il y avait la camarade qui s'était... Vas-y. Voilà, la camarade, elle est là. 2 minutes vraiment, vraiment, pour que tout le monde puisse poser la question. Sinon, je serais obligée de vous couper la parole. Et c'est... Voilà. Je ne vais pas regarder ma montre, alors tu me fais bip quand j'ai fait mes 2 minutes. Je te le dirai, d'accord. Moi, je voulais revenir sur ce qu'a développé Fabien au début en disant qu'il y avait de théoriser que le pays sans industrie théorisé par les financiers. Alors, je pense aussi que l'Europe a joué un rôle aussi là-dedans avec la répartition des industries, etc., etc. À une époque, on a eu aussi ça. Et donc, revenir sur ce qu'était le rôle de l'entreprise. Le rôle de l'entreprise, avant qu'il y ait cette réflexion, elle était sociale, locale et nationale. Et avec les impôts qui étaient payés. Mais au niveau social, elle avait un rôle au travers des conventions collectives, des accords d'entreprise, etc., qui amélioraient tout le temps. Et au niveau local, parce qu'elle permettait aussi de développer les localités dans lesquelles elles étaient implantées. C'est-à-dire, ça permettait de créer des stades, ça permettait de... Enfin, il y avait toute une activité qui était développée autour de l'entreprise par les moyens qui étaient donnés. Et puis est venue à la suite de ça, de cette désindustrialisation, il est venu l'idée que la responsabilité de l'entreprise, elle n'était plus ni sociale, ni locale, ni nationale. Et donc, on a retiré au fur et à mesure, ils ne se sont plus investis ni dans le social, et on a vu ce que ça donnait au travers des remises en cause des conventions collectives, des accords d'entreprise qui ont été dénoncés, etc., et que leur seule responsabilité, elle était financière. Et donc, là-dessus, c'est tout le système... Puisqu'à partir du moment où on a convaincu un grand nombre de personnes que l'entreprise, son rôle, c'était que de faire de l'argent et non pas un rôle social ou local, moi je pense qu'on a à retravailler cette question avec le rôle social et environnemental. Parce que il y avait, effectivement, l'entreprise de verre, elle était à côté des vignes. Pour ce que je connais, moi, les entreprises papetières, elles étaient à côté, elles fabriquaient les coffrets pour cognac, elles fabriquaient les boîtes pour envelopper les bouteilles de vin, etc., etc. Et c'est toute cette réflexion qu'il nous faut remettre au cœur de notre d'un projet pour la réindustrialisation, entre autres, avec tout ce que vous avez dit. Une autre question. Hop, il y a le monsieur, voilà, le copain. Merci. Jean-Luc de la section d'Elbeuf en Seine-Maritime. Alors moi, je suis retraité de la fonction publique. Alors les questions industrielles, évidemment, je suis pas un super spécialiste. Ceci dit. J'ai quand même une question à poser, enfin deux questions à poser, puisque là on parle essentiellement de production industrielle, et notre thème aujourd'hui c'est bien les modes de production. Donc le mode de production, il y a aussi la question de la production agricole. Donc quelle est la position, où en est-on de la réflexion au parti comme à la CGT sur ces questions-là, parce qu'elles sont aussi objet de beaucoup de discussions, et notamment en Seine-Maritime, c'est aussi une question, puisque... l'agriculture y est importante en tous les cas. Et deuxième question, c'est la question des modes des modes d'organisation des entreprises, c'est-à-dire est-ce qu'on reste et quelle réponse on peut avoir justement à la question des multinationales, des entreprises capitalistes, et est-ce que la réponse elle peut pas se faire aussi dans le cadre d'une part soit de nationalisation et de nationalisation démocratique d'un certain nombre du secteur de la production nationale,
mais aussi du développement de l'économie sociale et solidaire. Et notamment des SCOP, par exemple, comme on l'a vu se mettre en place avec les luttes de pas mal de salariés dans quelques entreprises. Quoi. Merci. Une autre question. Je vous propose, ceux qui veulent poser les questions, qui sera, de vous rapprocher plutôt du devant de la scène parce qu'on gagnera du temps. Bonjour, moi je suis de la Fédé du 44. Je voulais poser exactement la même question que le camarade vient de poser, donc je vais être très bref, mais simplement pour signaler que dans ce cadre-là, au niveau du parti, il y a un groupe de travail qui a bossé sur l'économie sociale et solidaire et qui a un manifeste pour une conception communiste de l'économie sociale et solidaire qui va sortir, enfin qui est quasiment prêt, que l'UMA doit en faire un exemplaire à vendre pour pouvoir aussi débattre à l'intérieur du parti sur cette question de l'économie sociale et solidaire. Et ça me paraît important qu'on puisse le faire, mais qu'on puisse aussi échanger avec le monde de l'économie sociale et solidaire pour la question de la production, essentiellement sur le monde des SCOP, mais hein, là sur le manifeste on est sur l'ensemble du champ de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire des SCOP, des mutuelles et du monde associatif, et je pense que le parti a plein de choses à dire là-dessus, et que voilà, je voulais aussi donner cette information. Merci. Alors, juste à côté de toi. Ah, bah. Non, vas-y. Vas-y. Oui, moi je viens de la Seine-Saint-Denis. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ce qu'a dit tout à l'heure la copine, qui était pourtant intéressant. Pour moi, une entreprise, ça a toujours été un moyen fait par des capitalistes pour faire le plus d'argent possible en fonction du marché. Donc la question que je me pose pour qu'on agisse dans le sens de la révolution dont Fabien parlait ce matin et que je partage, c'est comment on fait pour obliger à faire avancer la situation des salariés en bloquant les entreprises pour changer les rapports de force et faire que on gagne dans les luttes. Parce que là, c'est un peu dur en ce moment pour les différentes luttes qui sont menées. Et alors, le Parti communiste, à la Libération, en 1945, il a inventé un truc extraordinaire, c'est le statut de la fonction publique. C'est-à-dire que c'est le seul moment où on a financé des gens qui travaillaient et dont l'objectif de ce travail, c'était pas de faire du profit, c'était de répondre à l'intérêt général. Donc la question qui se pose, c'est dans nos propositions, c'est comment on fait pour que on aille dans le sens de la révolution, de changer, virer le capitalisme, et de faire que les choses avancent dans le bon sens pour les salariés et pour le monde du travail. Merci. Derrière toi. Oui, moi, je remercie les organisateurs qui ont proposé ce débat. Et puisque on propose ce débat, c'est évidemment pour que ça aille loin, c'est-à-dire que les travailleurs, tous ceux qui sont intéressés pour le changement, l'immédiat, mais aussi à plus long terme, soient informés. Et moi, je voudrais poser deux questions à chacun, aussi bien aux grands syndicalistes qu'aux grands communistes. Est-ce que c'est normal que chaque fois qu'on vous êtes interviewé, pour les communistes c'est très, très, très peu souvent, et même la CGT, je trouve qu'elle n'a pas de son droit de parole tel qu'il le faudrait. Est-ce qu'il faut continuer à se dire, on va répondre aux questions des journalistes? Ou de temps en temps, on ne va pas dire, tiens, vous ne me posez jamais ce type de questions. Est-ce que vous trouvez chacun des deux, par exemple, on va prendre parmi tous les exemples qui ont été développés tout à l'heure, est-ce que vous trouvez, par exemple, sur la question de l'énergie, vous êtes souvent interrogé? Moi, je suis sûr que non. Et sur la question de l'industrie, prenons les communistes. Moi, je suis content qu'on parle de service public. Bien entendu, ça peut même servir l'industrie, l'agriculture et tout. Mais honnêtement, c'est pas souvent qu'on parle d'autre chose. Alors déjà, on est beaucoup censuré. Moi, ma question, je vais terminer là-dessus, c'est est-ce que de temps en temps, on ne pourrait pas dire, monsieur le journaliste, vous m'avez pas posé une question, j'ai répondu à une, deux, trois questions, est-ce que nous ne pourrions pas parler, par exemple, du nucléaire? C'est pour ça que je me félicite, par exemple, que toi, tu sois intervenu sur la question du nucléaire. Et est-ce que c'est normal que d'autres partis qui n'ont pas notre représentativité, et c'est ma conclusion, par exemple, qui ne sont avec aucun élu à l'Assemblée nationale, voire un ou deux au Sénat, et on n'a pas besoin de citer des noms, et qui sont 10 fois plus interrogés que nous là-dessus. Or, on voit bien que
Bien sûr, il faut du social, mais on sait depuis très longtemps qu'il faut aussi de l'écologie depuis très très longtemps. Marx en parlait déjà, merci vous beaucoup. Le savez tous, j'ai fini. Merci. C'est votre question, mais c'est ma réponse. On a déjà, on voit quelle référence tu fais. Derrière toi, Soso, il y avait une ou deux questions et puis la conclusion. Oui, bonjour. Donc moi, je voudrais revenir un petit peu à la base du débat sur l'environnement et le mode de consommation. Vous parliez tout à l'heure de besoins. On a trois types de besoins, les besoins vitaux, besoins socio-culturels et besoins personnels. Le rôle de l'industrie, la fonction qu'elle se donne, c'est de vendre et de vendre toujours plus, d'où le capitalisme. Dans notre mode de fonctionnement, dans notre mode de consommation, il y a des mentalités à changer. Aujourd'hui, il faut consommer autrement, mieux et parfois moins. Un t-shirt, c'est 6 000 litres d'eau de consommation virtuelle, par exemple. Comment est-ce que vous pensez mettre en corrélation ce mode de pensée qu'il faut inclure dans la tête des citoyens, consommer mieux autrement, et ça veut dire aussi parfois consommer moins, et cette idée de dire on va sauvegarder et développer l'emploi à travers des industries qui, à un moment donné, risquent de vendre moins. Et ma deuxième question, elle est plus liée à l'environnement. On est sur une planète qui est un tout, où l'être humain est le seul être vivant qui a instauré des frontières, où chacun fait un petit peu ce qu'il veut sur son territoire. Quels sont les leviers que nous possédons pour obliger ce respect environnemental à d'autres pays comme les États-Unis, comme etc., etc. Voilà. Merci. Merci. Une dernière question derrière toi. Alors deux, mais alors très rapide. Alors, on a commencé un peu en retard. Bonjour, donc. Je suis de la Fédération de Seine-et-Marne. Voilà, je voulais poser une question je voulais montrer quelque chose sur le droit du travail. Comme vous savez, il y a eu sous Hollande la loi Khomri et Macron a fait la loi XXL sur le travail. Et en réaction, en contre-proposition a été fait par des chercheurs le code du travail du 21e siècle. Alors, moi, je pense que dans les manifestations, on fait beaucoup de manifestations contre les mesures qui attaquent le droit du travail ou bien d'autres domaines. Mais je pense qu'il serait aussi intéressant de souligner dans les manifestations qu'on manifeste pour le code du 21e siècle. Merci. Et la dernière question. C'est pour moi, c'est Christian, CGTFTDN2EA, syndicat de la mairie de Paris. Voilà. Ouais, Philippe, il va. Je voulais faire un petit 5 pages, mais il va partir. Mais une question rapide. Ouais, une question. Dans la fonction publique, on ne pouvait plus se faire licencier, c'était pratiquement impossible, surtout à la mairie de Paris. Alors maintenant, c'est la porte ouverte à tout. Nous, on a fait une action avec les cheminots en 2018. On a voulu vider des bennes, on s'est fait virer. Enfin bref. Et maintenant, la question, elle est. Le service public n'existe plus parce que tous les fonctionnaires peuvent se faire virer. Dans une commune, il y a des agents de la municipale qui sont arrivés au domicile d'un fonctionnaire. Ils lui ont dit maintenant vous êtes viré, il n'y a plus de garde-fou. Voilà. Et on revient comme au privé, on fait ce qu'on veut. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc Fabien et Philippe pour conclure. Alors vite. D'abord, j'ai pas dit un mot sur l'énergie tout à l'heure, mais comme il y a eu 2-3 prises de parole là-dessus, je voudrais dire que dans notre vision des choses, si on se bat pour réindustrialiser le pays, réouvrir des usines, forcément, cela va aller de pair avec une consommation plus importante d'énergie. Forcément. Et pour répondre à ce besoin, nous allons avoir besoin de l'énergie nucléaire, de produire plus d'énergie, dont l'énergie nucléaire. Donc je partage ce qu'a dit Philippe tout à l'heure. On doit, concernant l'énergie nucléaire, se battre pour tendre vers un mix énergétique et donc augmenter la part des énergies renouvelables dans la production d'énergie française, mais on ne va pas s'en aller vers moins de consommation d'énergie dans notre pays. Parce que d'abord, on va aller de plus en plus vers les voitures électriques, on voit bien avec Internet, etc. On consomme de plus en plus d'énergie, mais si on veut réindustrialiser le pays, on va devoir passer par là. Sinon, on ne pourra pas. On ne pourra pas on pourra pas répondre aux besoins, on ne pourra pas ouvrir des sites industriels si on ne sait pas répondre à ces besoins en matière d'électricité. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'on a parlé des marges. Et c'est la question des marges et des volumes.
C'est des choses que j'ai entendues à chaque fois dans la verrerie, à Veralia, que j'ai entendues dans l'automobile, que j'ai entendues dans l'aviation. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les conseils d'administration, les fonds de pension, ceux qui veulent distribuer beaucoup de dividendes, dont c'est l'objectif, ce qu'ils privilégient, ce sont les marges et pas les volumes. Et ils préfèrent produire des voitures, ce que fait Renault, grosses, qui coûtent cher et sur lesquels ils vont avoir une grosse marge, que produire des petits véhicules pas chers sur lesquels la marge est très très faible, et ça, ils délocalisent dans des pays à bas coût. J'ai entendu la même chose chez Veralia à Cognac. Ils m'ont dit ils veulent fermer un four parce qu'en fait ils privilégient de produire des bouteilles de luxe pour le cognac, ces bouteilles-là, ils les vendent très cher et il y a une grosse marge. Et donc, il n'y a besoin que de deux fours, mais les bouteilles en verre pour le bordelais, c'est fini. Ça, on va laisser ça au Portugal, etc. Donc, c'est une logique financière qu'il nous faut combattre. La question, c'est pas les marges. La question, c'est de répondre aux besoins et donc de rapatrier ici les productions de véhicules pour les vendre à ceux qui les achètent ici. C'est une bonne chose. Et quand je dis ça, d'ailleurs, qu'on ne se méprenne pas, c'est pas de fermer les usines qui tournent en Tchéquie, en Estonie, en Slovaquie, en Pologne, qui ont aussi besoin de répondre à leurs besoins, mais au moins de rapatrier ici ce dont on a besoin ici. Concernant ces entreprises, ces grandes filières, l'aéronautique, l'automobile, ce que l'on remarque aussi à chaque fois dans les plans sociaux que je rencontre. Par exemple, Airbus à Méholt, Albert dans la Somme. Eh bien, avant, jusqu'en 2015, c'était Airbus qui avait aujourd'hui cette grande entreprise avec plus de 2000 salariés. Ils vendent, ils créent une filiale, Stelia, qui est devenue donc une entreprise indépendante, mais 100% Airbus. Eh bien, cette filiale, Stelia, elle a externalisé une partie de sa production à des petites PME locales. Donc, ce que produisait Airbus de manière intégrée dans la Somme, dans une seule entreprise, avec 2000 salariés, ils l'ont éparpillé dans une quinzaine de petites PME locales, avec 100-150 salariés. Et cette manière de faire conduit à ce qu'aujourd'hui, ces 10 à 15 PME, qui étaient toutes intégrées, enfin, dont les salariés étaient tous intégrés à Airbus avant, elles sont toutes en concurrence les unes entre les autres, pour produire du câble électrique, pour faire de l'assemblage, ou pour travailler sur des cockpits. Et cette logique-là, on retrouve la même dans l'automobile, dans le ferroviaire, dans un grand nombre de filières. En fait, avant, on avait des grandes boîtes, on avait Alstom, on avait Bombardier, on avait Renault, on avait Saint-Gobain. Ils faisaient tout, les salariés avaient tous le même statut, et les mêmes avantages, les mêmes acquis, les mêmes conquis sociaux. Et aujourd'hui, c'est terminé. Ils ont externalisé le travail, ils ont renvoyé ça vers des petites boîtes, et c'est de la concurrence. Et ils vont maintenant, donc, enfin, pas maintenant, ils l'ont déjà fait il y a quelques années, ils ont été jusqu'à externaliser le travail dans des pays à bas coût, dans le Maghreb ou dans les autres pays de l'Union européenne. Et donc, quand nous nous battons pour une nouvelle industrie dans notre pays, c'est aussi par la reconstruction de filières intégrées et qui permettent de se réapproprier toute la production d'un produit dont nous avons besoin, que ce soit un avion, une voiture ou autre. Un mot sur l'agriculture. Ce que nous proposons, nous, c'est de sortir l'agriculture de la domination des marchés financiers. Ça s'applique aussi à l'agriculture. En gros, il faut arrêter d'exploiter les paysans, la terre et les vaches. Une vache, il y a 20 ans, produisait 5000 litres de lait. Aujourd'hui, une vache, elle produit 20 000 litres de lait. La pauvre, c'est la même vache. Mais il faut qu'elle envoie, mes mères. Eh bien oui, ils ont réussi à transformer les vaches. Alors 20 ans de temps, ils ont transformé les vaches. On fait des trucs génétiques, machin, etc. Les grosses vaches, elles te produisent 20 000 litres de lait. Ils ont fait pareil avec la terre. Les champs produisent 3 fois, 5 fois plus de blé, d'orge, de seigle qu'il y a 10-15 ans. Et puis alors là, ils y vont à coup d'engrais, de phosphate, de néonicotinoïdes et vas-y pépère. Et on exploite la terre. Et c'est comme ça que ça fait du mal à nos nappes phréatiques, etc. Et les hommes et les femmes derrière, ceux qui sont au boulot, mais s'ils en sont
s'ils en ont été réduits à ça, avoir des vaches qui produisent plus et des terres qui ont plus de rendement 2 à 3 fois par an, là où il n'y en avait qu'un avant, c'est parce que ces agriculteurs, ils ont été mis ces dernières années en concurrence avec cette Europe, avec d'autres pays de l'Union européenne et avec des marchés internationaux, avec les traités de libre-échange. Il faut les voir, les producteurs, les paysans du Nord-Pas-de-Calais, là de chez nous, qui sont en concurrence avec les Belges, et où il y a des produits qui rentrent, des poireaux, des carottes, des patates, qui coûtent moins cher que ceux qui sont produits chez nous. Alors qu'est-ce qu'on fait pour les aider? Ben, eux, ils disent, mais on est obligé de s'aligner, et donc on y va, avec les engrais, avec etc. Et puis ben, nous, on leur jette la pierre, on leur dit, bande de salauds de pollueurs. Mais il faut changer de logique, c'est un ensemble. Donc on ne peut pas... Moi, je suis de ceux qui disent qu'on ne peut pas traiter les agriculteurs comme ça, et donc il faut tenir les deux bouts. Je suis pour que qu'on mette par exemple un calendrier, enfin c'est pas par exemple puisque c'est ce qui s'est fait sans être fait, un calendrier pour que on n'utilise plus les néonicotinoïdes, qu'on n'utilise plus le glyphosate, et que dans ce calendrier de sortie de glyphosate ou du néonicotinoïde, on ait un calendrier de 2 ans, 3 ans à travailler avec, pour que dans l'attente d'atteindre cette échéance, que l'on donne les moyens aux agriculteurs d'avoir d'autres outils pour pouvoir produire ce qu'ils ont à produire, mais sans utiliser ces pesticides. Ou... Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut leur donner, faut les accompagner, il faut faire avec eux. Mais là, aujourd'hui, on leur tape dessus comme des sourds, sans leur donner les moyens de pouvoir vivre de leur travail et de pouvoir vendre le fruit de leur travail à un prix qui leur permette de les rémunérer. Et donc, on doit réussir à sortir l'agriculture de la concurrence libre et non faussée qui existe au sein de l'Union européenne, et puis de la domination des marchés, parce que le blé, c'est la loi de l'offre et de la demande. Les cours du blé, en fait, on s'en va même stocker du blé dans des bateaux le temps que les cours remontent. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, forcément qu'on doit les aider. Forcément qu'on doit les aider. Qu'on doit les aider à faire des circuits courts, à vendre à côté de chez eux. Ça se fait, je rebondis sur les appels d'offres, c'est valable pour l'agriculture, hein. On peut privilégier dans les appels d'offres la production auprès des agriculteurs, et puis en mettant une clause en disant que pour vérifier que c'est bien produit ici, que chacun peut aller chez l'agriculteur. Enfin bon, on peut écrire tout, on peut tout faire aujourd'hui pour protéger nos agriculteurs. Il faut y mettre les moyens et il faut de la volonté politique. Mais produire local, produire bio et préserver notre agriculture, ce sont les trois qu'il faut tenir ensemble. Merci. Et Philippe, pour les mots de conclusion. Oui, alors vite, parce que il y en a d'autres qui attendent la salle. Moi, je suis moins spécialiste de l'agriculture et des vaches que Fabien, mais... C'est juste il m'est arrivé d'être dans la même salle de réunion que Ruth Bézieux et Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA. Ils disent la même chose. Trop de charges, les Français veulent pas travailler, aidez-nous à faire venir des travailleurs d'autres pays, parce que et donc ils ont la même logique. Donc je pense qu'il faut et c'est la logique, c'est faire baisser leur pseudo-coût du travail, nous faire travailler plus. Bon, et puis si on peut avoir un peu de saisonniers, y compris des travailleurs sans papier, que ce soit d'ailleurs dans les entreprises ou dans l'agriculture où il y en a beaucoup, eh bien ça nous aidera. Et là, cette logique-là, elle ne va pas dans le sens des besoins. C'est ce qui me fait répondre à l'idée qu'il faudrait consommer moins. Je vous ai cité un exemple tout à l'heure. On peut toujours dire à un SDF qu'il faut qu'il consomme moins, hein. Je suis pas sûr qu'ils nous écoutent la fois d'après. Non, il faut consommer autrement. Et il y en a qui surconsomment, oui. Il y en a qui surconsomment. Mais il faut consommer autrement. Et je pense donc qu'on a besoin de produire et consommer autrement, répondre aux besoins. On produit des choses qui servent à rien. On produit même des choses pour les riches et des choses pour les pauvres. Il y a de la distribution pour les pauvres. Il y a tout le développement du low cost. C'est bien parce qu'on a ciblé une partie des populations dont on sait que bah il faut leur vendre des trucs de mauvaise qualité, moins cher. Donc moi je pense qu'il faut réfléchir plus sur l'idée qu'il faut consommer, produire et consommer autrement, plutôt que
et je dis pas ce que tu as dit, hein, mais que la petite musique qui essaye de nous dire, y compris dans certains milieux écolos, que si la planète va mal, c'est de la faute des citoyens. D'abord, je crois que si la planète va mal, c'est d'abord de la faute du capital avant de la faute des citoyens. Alors, à partir de là, on a des actions à faire collectivement, y compris au niveau international, en agissant, par exemple, contre les entreprises françaises. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller l'année dernière au Burkina Faso, où il y a des entreprises françaises qui, avec des crédits importants du gouvernement, exploitent les terres au Burkina Faso, les terres et les hommes et les femmes. Donc là aussi, il faut, plutôt que de faire des grandes déclarations sur on va défendre la planète et puis on va faire de la responsabilité sociale des entreprises, il faut qu'effectivement, par exemple, l'Agence française de développement contribue beaucoup à aider les entreprises à exploiter des salariés et des terres, agricoles ou pas, dans de nombreux pays du monde. Ben ça devrait être contrôlé par l'État et par les citoyens pour qu'on réoriente l'argent qui sert normalement au développement, mais quel développement? Je pense, et moi je crois beaucoup à un réveil, enfin en tout cas un sursaut un peu plus important du syndicalisme international, qui parfois est très très lié à leurs états et pas suffisamment à l'intérêt des... Moi je suis inquiet par exemple d'un développement dans certains pays, je pense aux pays scandinaves, d'une forme de racisme, y compris dans les milieux syndicaux. Deux dernières choses que vraiment c'est sur l'organisation des entreprises. Il faut redonner des droits aux salariés. Quand il y a une décision de restructuration ou de vente, les élus du personnel, ils ont vendu contre la filialisation de Stelia à Méholt. Et pourtant, ça s'est appliqué. Et donc, il faut redonner du pouvoir aux salariés dans les entreprises. Hein. Je vous ai parlé de la Convention citoyenne, ils veulent beaucoup de référendums, plus de droits, etc. Je dis, mais les citoyens, ils ont au moins le droit, de temps en temps, de voter pour leurs élus, pour le président, pour le maire, etc. Aucun salarié n'a le droit de voter pour son patron, hein, ou contre son patron, hein, aucun. Comment on fait rentrer plus de démocratie? Et évidemment, cette dérive de la société des grandes entreprises, elle a aussi un impact sur l'économie sociale et solidaire. Moi, je ne suis pas pour idéaliser l'économie sociale et solidaire. J'entends des représentants de l'ESS, notamment quand on négocie les conventions collectives, eux aussi, ce n'est pas du niveau de Route Bézieux, mais pour être compétitif, donc là aussi, il faut... oui, mais on a des expériences, 1336 par exemple, voilà, une SCOP qui défend l'emploi, les conditions de travail et l'environnement, circuit court. Et puis, deux dernières choses, alors les médias, bon, c'est vrai que dans l'humain, on pose des bonnes questions. Donc, en général, moi, je dis souvent, quand il y a des mauvaises questions, il y a des mauvaises réponses. Donc, ceci dit, moi, je reprends ce que disait un communiste il y a quelques années. C'est votre question, c'est ma réponse. Et on doit pouvoir, même à une question con ou une question inutile, je ne suis pas un spécialiste des médias, mais en tout cas, je les pratique de temps en temps, même avec... des intervieweuses, j'en ai croisé une il n'y a pas très longtemps qui m'a harcelé sur la retraite et puis le lendemain elle interviewait mon ancien PDG d'une autre façon, on est capable de répondre ce qu'on veut à des questions qu'ils veulent. Voilà. Mais c'est dur parce que évidemment on passe dans les médias une fois puis dans les chaînes en continu, vous avez 18 pseudo-journalistes ou pseudo-chroniqueurs ou pseudo-sachant tout et ne répondant à rien qui vous en mettent plein la figure. Bon, bah, regardez pas BFM et CNews et puis comme ça vous serez pas emmerdés, hein, faites autre chose. Et puis enfin, je pense que on a besoin, ça sera mon mot de la fin, tu disais pourquoi on défile pas avec le droit du travail du 21e siècle, pourquoi dans la fonction publique ça recule, etc. Mais si on veut faire rêver un peu, et en tout cas la CGT, mais les communistes aussi, on est aussi là pour proposer un autre monde, et ben arrêtons, enfin rééquilibrons nos protestations contre et faisons plus de bruit sur ce qu'on propose, parce que si on gueule tout le temps contre des choses, le coin de ciel bleu ou même un très
plus grand coin de ciel bleu, qui va l'amener dans le débat? Donc on a aussi besoin de proposer des alternatives. Je crois que c'est dans ce qu'on fait. Et bah, ça, c'est pas de la faute des autres, ça, hein. C'est nous. Hein. Merci Philippe, merci Fabien.